passe. Ah. Allez, on est parti. Allez, on chauffe. Attends, elle est partie. Voilà. Et comme j'ai mal dormi, eh ben, j'ai besoin de me défouler. Toi aussi? Ah bon? Ouais, bah, c'est pareil. C'est pour répondre à la demande. Ah, d'accord. Le club. Allez, on chauffe les épaules, le haut du dos, le haut du corps. On va faire du renforcement tout le corps. Allez, je vais y aller jusqu'à la pointe des pieds. On tire bien ici, là, sur le psoas. On chauffe. Et t'as tourné à bras? J'ai tourné à bras? Oui, parce que ta bande passante est faible, me dit-on. Ah, attends, ils me mettent la fibre en rondeur. Ah, bah c'est peut-être ça. Allez, devant, pousse. Allez, on reste juste sur une jambe. On va voir si vous avez bien travaillé hier. Ah, mais c'est peut-être parce que j'ai mis la musique sur l'ordinateur, ça fait deux. Ah, peut-être. Ah. Mais je ne suis pas coupée, vous me voyez, vous m'entendez? Oui, 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 on te voit, on t'entend. Ok, derrière. Allez, avec ses bras. On va faire du semi-cardio, on va faire du surtout du renforcement musculaire. Ok. Ici, on laisse petit semi-flexion en ouverture, juste pour chauffer les genoux, les chevilles. On reste ici petit en bas et on tourne le haut du corps. Allez, bien droit, hein. On se met bien vers l'arrière, vers le fessier. Ok. Allez, on chauffe un peu les genoux. Et dans l'autre sens. Les pointes de pied. Enfin, les chevilles, exactement. Ok. Allez, je descends un peu la caméra. Et on va descendre. Allez, on souffle bien, on descend bien bas. On est bien les fessiers en arrière. Pointe de pied écart. Dos droit. On reste petit en bas. Et on va partir droite. On laisse les pieds écart et on part droite-gauche. Attention, on ne fléchit pas le torse, on a le dos bien droit, on est gainé là, abdos, lombaires. On bascule juste un genou sur l'autre. Ok, petit que d'un côté.
et de l'autre. On souffle, on met bien les jambes, on boit un coup. Et si on repart, là je vous montre. Ouverture, largeur de bassin, pied bien droit, dans le talon ici, on part, pointe, on ramène derrière. Donc, je me mets comme ça sur le côté. On est prêt? Donc ici, on descend, on ouvre, on ramène derrière. Allez, on ouvre, derrière. Allez, encore. Cette jambe-là, elle reste contractée. Hein. Allez, encore deux. Et ici, petit, on touche pas le sol. On reste en appui sur celle-ci. On ramène derrière. On ramène, on change de côté. On descend, petit, on ouvre. Un, derrière. Côté derrière. Derrière petit. On ramène. Ça va? Oui. Ouais. Oui. Super. Parfait. Alors, on durcit un peu plus et on coupe le souffle. Donc ici, on va venir descendre, toucher, monter genoux, coude opposé comme ça. Mais en haut. Sinon, on va se baisser la figure. Ça marche? Allez, on part de là. Jambe droite, on descend. Derrière, genou. On monte genou. Genou, genou. Allez. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Huit. Sept. Six. Cinq. 4, 3, 2, 1. On pose, on change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7. Allez, on descend bien le genou, hein. 6, on peut, hein. 5. 4, 3, 2, 1. Ok. Allez, on récupère. Qui c'est qui peut parler là pour voir comment il est soufflé? Doria, Angèle. Elle nous surveille à travers les écrans, les filles, faites gaffe. On va savoir comment vous respirez, parce que Christine, elle respire bien, mais vous autres. Oh, mais ça va très bien, hein, faut pas s'inquiéter. Hein. Non, moi, je pense que vous êtes meilleure, alors, c'est bien. Allez, on récupère le souffle. Squat ouvert. Quatre. Cinq. 6, 7, 8, en bas, petit, allez, on tape devant, 2, 3, 4,
5, 4, 3, 2, 1. On refait squat. 1. Attends une seconde. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. On remonte ici, on descend. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, et à nouveau 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vous avez récupéré, on part, on pousse ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste ici, on monte. Genoux, coude. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. L'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose, on récupère, on met la main vers le plafond. Une qui pousse en haut, une qui pousse en bas. Celle-ci est fléchie, celle-ci est tendue. Allez, on tourne. 5, 4, 3, 2, 1. Et le côté fléchi, on tire. Une au plafond, une vers le sol. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On souffle, on boit, on récupère. On ouvre les fenêtres. Même si c'est 3 degrés. Ça va, Christelle? Ça va bien. J'ai dormi la nuit dernière, donc ça va bien. Super. C'est bon? Vous êtes prête? Alors, je vous montre. Toujours fléchissant ici, sauf que là, on montait en ouverture, genou, coude. On était en ouverture. Là, on va monter croisé et devant. Alors, je vais monter la caméra parce que vous ne voyez pas. Ici, on est bien ancré. On bascule sur un seul pied d'appui et on vient ici. D'accord ? On serre la sangle abdominale, on souffle, on monte. Donc, celui-ci et celui-ci croisé quand on ouvre là. Donc, je dis ouverture de jambes ou alors serré. OK ? Le but, c'est de faire la sangle abdominale et les lombaires. Allez, on écarte un peu plus large que le bassin. On souffle. On prend appui sur une seule jambe. Et on va croiser ouverture. 1, 2, 3, allez, dos droit, 4, 5, 6, 7, 8, et encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, serrez, 1, 2, 3, vous soufflez en montant le genou, 1, 4, 5, 6,
6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On bascule, on change de pied d'appui. Croisé, ouverture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Serrez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose, on ouvre, on respire. 1, 2, bougez pas le bassin, hein, que le haut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va renforcer le haut du corps. Ça va? Tu es toujours avec moi? Oui. On souffle, souffle. On est là. Ouvre les jambes un tout petit peu plus. Bascule du bassin. Semi-flexion comme si on était en semi-squat. Dos bien droit. Ici, on va les pousser. Allez, travaillons, allez renforcer là les muscles qui faiblissent chez Pascal et Annick. OK? Donc ici, on vient pousser le plus haut possible vers le plafond sans creuser. Hein, d'accord? C'est droit ici. Hein, on pousse ici. C'est parti. Allez, le bas est gainé, abdos et sangle abdominale. Gainé, les hanches basses, dos droit, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sur les côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on a même Christelle aussi ce matin pour le renforcement des épaules. On ouvre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ici, on pousse. 1, 2. Allez, je coupe la pub. C'est bon. 4, 5, attention, on ne monte pas les épaules. 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et ici, on pousse devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7,
6. Attention, on est toujours bien gainé là, la sangle abdominale. 4. 3. 2. Pascal, je pense que tu ne tiens pas tes hanches. J'ai l'impression que tu pars comme ça. On est là on devant, les hanches sont maintenues. D'accord, oui. D'accord. Tu dois sentir les obliques qui travaillent là. Oh, okay. Oui. Dernier exercice. On pousse sur les poignets. On roule là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On change de sens. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Imaginez que vous attrapez des cordes et vous les descendez ici. Vous pouvez sentir que ça travaille au niveau de trapèze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ici, on vient, on pousse comme si on faisait Spider-Man, là, vous savez. Les poignets, on tourne et on pousse pareil, mais vers le haut. Allez, on tourne en haut, en bas. Allez, on travaille les triceps et les épaules. Allez, l'épaule doit bien tourner. 8, 7, 6, 5. Vous allez commencer à sentir que ça brûle dans les épaules. 4, j'en peux plus. 3, tu es figé. Tu es figé, on brûle. 1, ok. Allez, on monte, on descend. On va faire une petite rotation. On va basculer au tapis. Donc là, ceux qui prennent thermocomplice dans le sport, pour brûler, vous pouvez maintenant. Alors, le chrono, le niveau tapis. Ah, on va baisser la caméra. Hop là. Alors, comme d'habitude, on ne va pas s'arrachir sur le sol. Donc, on gagne bien. Sangle abdominale en vert. Et on vient pousser le plafond vers le haut, on se grandit. On inspire à fond, que je reste, qu'on ouvre bien. Et on souffle. On vide, on creuse. Devant. On inspire. Et on souffle, on enroule la tête, les épaules. Les côtes flottantes, les genoux sont fléchis. Hein. On descend jusqu'au sol, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On pose les mains au tapis et on avance. On gaine, on reste gainé et on court 30 secondes. Gainage simple. Allez, gainage de repos, on récupère le souffle. Ah, si je prends la calculatrice à la place du chrono, on va le faire. Non, tu ne multiplies pas par 10. Hein.
Allez, on pousse bien dans les talons, on fait une belle planche. On inspire. On va basculer sur les coudes pour certains. Dans 10 secondes, on tourne sur le côté gauche ou droit, au choix. 3, 2, 1. On bascule. Ici, on met la main sur la hanche. Et ceux qui veulent, vous montez ici la jambe. 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas pourquoi je compte. 15 secondes. Allez, 8 secondes. 3, 2, 1. On change de côté. On bien, on est gainé, main sur la hanche, on monte et on veut la jambe. 1, non, pardon, 20 secondes. 15, 10, 5, 2, on revient devant. Sur les genoux, on pousse sur les talons. 1, 2, oh zut! 15 secondes. 10, 3, 2, 1, on pose les genoux, on tire le dos. On bascule sur le sol. Alors, enfin sur le fessier. J'ai dit quoi, on bascule sur le sol? Oui. Ici, on ancre bien les pieds. Si vous voulez prendre un poids, vous prenez un poids. Tu vas avoir 5 kilos là. Et le poids n'est pas obligatoire pour le renforcement. On ancre bien les talons, les pointes de pied, bien à plat. Le dos est droit. On va venir ici. Pousser sans l'abdominal sur les cuisses. Devant, on vient là et on fait droite, gauche. On se redresse de droit, devant. Comme ça, ça augmente l'intensité sur les bras. Puisqu'on travaille, on fait un renforcement de tout le corps. Et si les jambes, elles sont ouvertes, largeur de mes hanches, hein, pour info. C'est parti. On inspire, dos bien droit. On vient mettre la sangle abdominale en soufflant sur les cuisses, devant. On ramène le dos droit, on gonfle, on contracte, on souffle sur le côté. On inspire, dos droit, on souffle, devant. Côté. Devant. Devant, côté, devant, c'est lourd sur les bras quand même, hein, avec un poids, côté, devant. Désolée, j'arrive pas à compter tellement c'est du lourd. Voilà. Et on revient. Ah, si vous avez fait du poids, vous pouvez déverrouiller les épaules.
On va venir ici. On va faire ce mouvement-là. Là, vous savez, où on descend en soufflant, donc en creusant le ventre, avec des phares mains sur la tête. Et on inspire, on se redresse. On creuse, on creuse. On inspire, on se relâche. Essayez de le faire avec du poids, mais vous ne m'en voudrez pas si je pose encore de l'eau. On inspire. On souffle, on creuse. On inspire, on redresse. Deux. Trois. Quatre. 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. On est fou des fois quand même. Hein? Ah bah, on bascule complètement sur le tapis. On va venir ici, tenir soit les genoux, soit l'arrière des cuisses. On enroule d'abord les vertèbres lombaires, les dorsales et au final les cervicales. Tout doucement, on descend à la force des abdos. Donc on souffle, hein, pour descendre. Allez, ma face. On va venir ici. Faire quelques séries d'abdos. Donc, on va, en même temps qu'on lève les épaules vers le plafond, on va venir pousser de chaque côté là, les bras. Ça, c'est le premier. Le deuxième, on va venir pousser sur les talons. Toujours les lombaires bien à plat. Hein. C'est important. Et quand on souffle, on creuse le ventre. On n'a pas envie d'avoir un gros bidon. On veut un ventre plat, des beaux obliques, un beau V là. Donc, on souffle. On souffle quand on fait les... Quand je dis souffler, on creuse le ventre, pardon. Allez. Vous êtes bien à plat. Vous mettez vos jambes à l'équerre. Premier exercice abdominal. On lève les épaules vers le plafond et on pousse les bras. Allez, de chaque côté, là, comme si on voulait aller toucher le côté des pieds. Un. 2, 3, 4, 5, ventre creusé, 6, 7, 8, 7, 6, 5, déverrouillez la mâchoire, elle n'a pas besoin de travailler, 2, 1, on arrête le mouvement, on pose les épaules, on vérifie que le dos est bien à plat. Les mains qui poussent le tapis, on pousse sur les talons. 1. 2. On souffle en poussant sur le talon. Donc, on creuse le ventre. 3. Non, 2. 3. On ramène bien l'équerre, le dos bien à plat. 4. S'il faut, vous mettez les talons un peu plus haut. Si, en les descendant, vous creusez le dos. 5, 6, 7, 8, 7, allez, vous devez le sentir dans les cuisses, 6, 5, 4, 3, 2,
1, on tend les jambes bien vers le plafond et on vient en alterne. On souffle comme si on voulait mettre la main droite sur le pied gauche, la main gauche sur le pied droit. On pose, on lève les épaules vers le plafond, on creuse le ventre quand on lève les épaules. Allez, parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On redescend les jambes. On récupère. On bourre un coup si on a besoin. On va basculer sur le côté. Allez, on va faire et un renforcement du haut et un renforcement des abdos et des jambes. Donc, on va bien faire une équerre ici, entre le coude, l'épaule. Alors, Pascal, Annick, Christelle, si c'est quelque chose qui est encore trop difficile pour votre épaule droite, c'est rigolo d'ailleurs, c'est toutes les trois l'épaule droite. Ok. Vous ne seriez pas toutes les trois les filles qui auraient des problèmes avec l'autorité? Parenthèse. Si c'est trop dur sur le coude, vous me le faites au sol. D'accord? Tant pis pour le. Je n'accepte pas l'autorité des autres, mais je suis très autoritaire. Bah oui. Et Christelle est comme ça aussi, et je pense qu'Annick ne doit pas être loin. Alors, mon mari aussi. Mon mari aussi, alors. Merci. On met les hanches les unes au-dessus des autres. Bon, je ne vous jette pas la pierre, les filles. Hein. Moi, c'est l'épaule droite aussi. Hein. Ah, bravo. On lève le pied, pointe vers le haut. On va venir d'abord devant la pointe de pied vers la... J'allais dire vers la rue, mais non, vers la caméra. On lève, on descend. Premier mouvement. Ça marche? Ici, attention pour celles qui travaillent le renforcement du haut. On ne vient pas comme ça. Hein, on est bien gainé, sans l'abdominal et lombaire gainé, l'épaule basse. Ici, le biceps est serré. On peut appuyer avec la main si on le souhaite ou avec le poing. Tout est gainé ici. On est parti. Pointez le pied, on lève, on souffle devant. Donc, on creuse le ventre. On inspire derrière. On ne bouge pas les hanches. Allez, on tient les hanches. 4, 5, 6, 7. 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les plus sérieuses, c'est Sissou et Muriel. On lève le genou vers l'épaule, on pousse le talon. Allez, 1. On souffle ici, on inspire là. 2. 3. Pensez pieds flex. 4. 5. 6. Allez, on gagne bien le haut. 7. 8.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose. Pied l'un contre l'autre. Ici fléchi, ici fléchi. On va venir ouvrir. 1. Vous devez sentir les abducteurs qui travaillent. 2. On souffle en montant. 3. 4. 5. Allez, ça doit commencer à bien contracter là dans le biceps. 6. 7. 8. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1. On vient poser le talon devant le genou fléchi. Hop, on tend la jambe et on monte la jambe. Ici, on pointe vers le plafond. Attention de ne pas descendre l'épaule ici. Hein, vous êtes toujours contracté. 1, 2, 3, 4. On souffle en montant le pied. 5, 6. 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On met derrière, on bascule sur l'autre côté. Allez, vous tenez le bon bout et je vous ferai un cadeau à la fin. Jambes fléchies, bras guidés, épaules basses, les hanches l'une au-dessus de l'autre. On commence par la première jambe, pointe, on souffle, pointe avant. Attention de ne pas basculer le bassin. On a tendance en général à partir le fessier en arrière ou le fessier en avant. Et au niveau des lombaires, au lieu d'avoir une belle contraction, on fait une vrille. Donc bien la laisser bien droite, la sangle lombaire. Ne pas fléchir ici, dans le coude, il doit être bien gagné. On est parti, on lève. Pardon, on enlève devant. 1, on souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 7. Rentrez bien le ventre hein, comme vous soufflez. 10. 5. 4. 3. 2. 1. Épaule, genou. 1. Non, 2. Non, pas épaule, genou. Oui, si, c'est ça. 6. 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On vient ici poser. On n'a pas fait l'écart comme ça. Merci. Super. C'est Juliette qu'on entend chez toi, Pascal. Juliette, ferme la porte. Ah, c'est bien. C'est pas grave, c'était pour lui dire bonjour. Mais, ah oui, d'accord. Il me semblait que c'était elle qu'on entendait derrière. 2. Oui. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose devant, on tend la jambe, petit, pied vers le plafond. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. On pose. On va venir s'étirer. Donc ici, on va rester. Est-ce que vous, les filles, vous arrivez à vous mettre comme ça si on ne force pas sur le bras? Ouais, moi j'ai fait toute la séance comme ça là. Je suis assez contente. Et Christelle et Annick? Oui, pas de souci, moi j'ai tout fait aussi. Génial. C'était Annick, plus facile à droite qu'à gauche. D'accord. Oui, c'est bon les filles, c'est bon pour moi. Super. Alors on va venir s'étirer. Donc vous tendez une jambe au sol, vous attrapez le coup de pied, vous collez les genoux l'un à l'autre. Et comme on le fait dans la position debout, sauf que là, on l'a fait sur l'épaule, comme ça, on peut bomber le torse et étirer comme si on faisait un arc, là. D'accord? Qu'on creuse les reins. Vous devez sentir, ça tire du genou, tout le long de la cuisse, ici le psoas, les abdos, et ça tire même, si vous mettez bien la tête en arrière, ça peut venir tirer jusqu'au menton, et donc derrière les cervicales. Faites trois respirations. Ici, on attrape le genou. On vient le mettre entre les deux seins, là, sur la poitrine. Et on étire. Alors, soit en tirant sous le genou, ici, si on y arrive bien. Si ce n'est pas suffisant comme étirement du fessier et des lombaires, on attrape sous le pied et on tire vers soi. Pause. On vient en tailleur deux secondes pour étirer ici les bras et les épaules. Et puis on fera l'autre côté juste après. Donc vous tirez le dessus du coude sur la poitrine, pouce en l'air. Sur trois respirations, pouce en bas. L'autre. Coupe en bas. Joignez les mains bien haut au-dessus de la tête. Allez, on étire. Vous devez sentir que ça étire non seulement les bras et les épaules, mais aussi ici, là, toute la cage thoracique arrière, autour du dos. Les sentir vos vertèbres qui s'ouvrent les unes au-dessus des autres. Et quand vous êtes bien haut, vous basculez sur le côté. Vous revenez devant. On pousse à nouveau vers le haut. On se grandit. On sent toutes les vertèbres s'ouvrir. Et on bascule sur le côté. On revient au centre, devant. On accroche les mains l'une dans l'autre derrière. On tend les bras, on tire, on remet les épaules dans leur loge. Et on récupère. On vient ici mettre l'autre bras sur le côté et on va aller étirer l'autre jambe. Jambe au sol tendue, deux genoux l'un à l'autre et on étire. On cambre, on sort la poitrine et on essaye de faire un arc. Respiration. On vient ici le genou sur la poitrine, on étire l'avant et les lombaires.
parvenir en tailleur. Et là, si vous avez une petite laine ou un truc autour de vous, déjà si vous avez la fenêtre fermée, ouverte, fermez-la. Et je ne sais pas si vous savez, mais demain et samedi, c'est le printemps. Ouais. Et énergétiquement, je vais vous faire faire. C'est puissant. C'est puissant, voilà, parce qu'on passe de la nouvelle lune. La pleine lune sera le 27. Et demain, il y a un chamboulement complet au niveau des pressions de la Terre. Oh là là, ça fait peur. Qu'est-ce qui a peur ? C'est moi. C'est moi, ça fait peur. Non, tu vas voir. On va mettre une musique bien, bien. Et je vais vous faire faire une énergisation. La peur n'évite pas le danger, dit le dicton. Ouais. C'est vrai. Ça sert à rien d'avoir peur. La peur, pas de couleur, pas bleu. Allez, Christine, régénère. Voilà. Je vous mets une musique, ce qu'on appelle une musique purifiante. Énergie. Alors déjà, vous prenez de quoi boire, vous mettez en tailleur. Ça ne va pas durer longtemps, hein. Ça va durer 2 minutes, 3 minutes. Mais vous mettez à l'aise, si vous avez besoin d'un petit coussin sous vos... Si vous voulez vous mettre sur le canapé, vous pouvez aussi, si vous avez de quoi à côté. Le principe, c'est d'être bien installé, avoir tout sur les épaules pour ne pas avoir froid, bien transpiré. Hop, moi je reprends mon panier à chat. Il est confortable en fait. Et... D'abord, on va se concentrer à faire une respiration profonde. C'est bon, vous êtes tous prêtes? Oui. Super. Alors, on vient là, on respire par le ventre, on inspire, on gonfle le ventre. Les côtes flottantes, les poumons, on remplit bien et on laisse les épaules basses. Par contre, on remplit jusqu'en haut, donc on a la tête haute, on a un port de reine. Le dos bien droit, on bloque, on compte 1, 2, on souffle, 1, 2, 3, 4, on bloque, 1, 2, on gonfle, 1, 2, 3, on bloque, 1, 2, on souffle. 1, 2, 3, 4. Vous respirez normalement, vous prenez votre boisson et vous devez réfléchir à chaque gorgée qui coule dans la bouche, au nettoyage que ça fait dans la bouche, dans la gorge. Vous devez le sentir couler le long de l'œsophage et même peut-être vous allez sentir la réception dans l'estomac. Fait comme un tourbillon, ça nettoie tout au passage. Vous fermez les yeux et vous, bon, on va faire comme un scanner du corps, vous allez vous détendre. Les orteils, la plante des pieds, et tout est détendu, les chevilles, les mollets, on relâche tout, les genoux, les cuisses, les hanches, le bassin.
Tout est détendu, on n'a pas besoin d'avancer, on est là, on prend soin de soi. On relâche toute la partie intestinale, les abdos, les lombaires. Ça n'a plus besoin de nous tenir, on lâche tout, le plexus, les poumons, le cœur, tout est détendu, les épaules. On n'a plus rien à porter, on ne pense plus à rien. C'est le vide complet, on est uniquement sur soi et sa respiration. Ensuite, on lâche les doigts, les mains, les poignets, les avant-bras, les coudes, les biceps, les triceps, les épaules. On est tout mou, on ne tient plus rien. On n'a plus rien à porter, on n'a plus rien à soutenir, on n'a plus rien à pousser. On lâche tout. On relâche le cou. On relâche les cervicales, les trapèzes. Et on monte. On lâche la mâchoire. La langue peut redescendre dans le fond de la bouche. Elle n'a pas besoin d'être collée au palais. Les dents peuvent être desserrées. On relâche les joues, les yeux, le front, les sourcils. Tout est détendu. On lâche ses cheveux, l'arrière du crâne, on est tout mou, on n'a plus à réfléchir, le cerveau peut rester endormi, et on refait une respiration profonde, on inspire en trois temps, 1, 2, 3, on bloque 2, 1, 2, on souffle 4 temps. 2, 3, 4, on bloque 2, 2, on inspire 3, 2, 3, on bloque 2, 2, on souffle 4, 2, 3, 4, on bloque 2, 2, on inspire 3, 2, 3, on bloque 2, 2, on souffle 4, 3, 2, 1. Et là, on va prendre une grande inspiration et on va nourrir tout notre corps de toute la lumière qui nous entoure. On sent cette lumière passer du sommet du crâne partout dans le cerveau, ça fait des frissons. On fait passer dans notre nez la fraîcheur partout dans les poumons. Toute cette lumière nous envahit jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. On ne sait pas pourquoi d'un seul coup ça fait des frissons partout. Ça, on sent toute cette lumière et on la transforme en chaleur et en énergie. On veut que cette lumière soit du feu, que ça vienne nous brûler à l'intérieur. Pour la relâcher avec tout ce qu'elle a brûlé, c'est-à-dire toutes les toxines, et on souffle vraiment, on se vide complètement. Et on inspire par le nez également. Le corps se réveille tout doucement, de bouger les orteils, bouger les doigts, les chevilles, sentir les muscles des cuisses et des mollets se contracter, des épaules, bouger un peu les épaules, le dos,
Sentir que l'eau va descendre dans la vessie et que tout le système digestif va se remettre à travailler avec cette nouvelle énergie. On ouvre les yeux. Et je vous envoie plein, 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 plein d'amour pour passer un merveilleux printemps. Merci beaucoup, merci, merci. Merci. Nous aussi, on t'envoie plein d'amour. Et vous êtes prêts? Une étoile de bras.